le collège Charles Louanga de Ferkessédougou a 50 ans. Un temps de bonheur et de fidélité à l'Éternel. 50 ans d'évangélisation en milieu scolaire, d'éducation, de formation et de promotion sociale. Les récents résultats font état de 80,95% au BPC et 78,58% au BAC. Ces performances antérieures ne sont pas du goût des Louangais. Les apprenants doivent donc redoubler d'ardeur au travail pour la réputation de cette école, une école de formation des élites. L'ensemble des qualités qui modestement m'ont permis d'être aux côtés du président de l'Assemblée nationale, je les dois exclusivement à cet établissement. Ils nous ont appris la discipline, le sérieux dans le travail et la persévérance. Ils nous avaient été pris en charge dans tous les domaines. Nos études étaient surveillées et les aînés nous appuyaient pour nous aider à suppléer à nos insuffisances. Lorsque nous nous partons à un examen, c'était 100%. Les parents d'élèves et tous les viatoriens se sont réjouis de cet établissement que l'effet du temps n'a rien altéré avant d'inviter la communauté éducative à rechercher en permanence la perfection, à garder la tradition de former de bons citoyens acteurs du développement. 22 actuels et anciens travailleurs ont été décorés pour services rendus à la nation. Le représentant de Mme Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, et celui du parrain de la cérémonie, Ali Koulibaly, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, pur produit viatorien, ont demandé aux responsables de l'école de toujours porter haut l'espérance de la jeunesse ivoirienne.